Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons filmer une vidéo capillaire. Donc excusez-moi si vous voyez déjà que la lumière elle fait ce qu'elle veut. C'est parce que en effet, je suis en plein, le soleil est là, elle est là et j'ai dû me mettre entre un mur pour que pour que je ne ressemble pas à un orange. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va filmer une vidéo capillaire. On va comparer une marque américaine avec une marque française. Pourquoi je voulais faire ça? Parce qu'en fait je sais que la plupart des marques en France, c'est des marques, des produits naturels, justement, je dis spécifiquement. La plupart des marques qui sont très naturelles et tout ça, c'est des marques américaines ou des marques de d'autres pays. Il n'y en a pas, malheureusement, il y a vraiment peu de marques, françaises qui est vraiment naturelle, où il n'y a pas de la merde dans le, pour être plus précis, il n'y a pas du n'importe quoi, il n'y a pas des ingrédients. Des mauvais ingrédients dans le produit, mais bon, c'est la gamme Obia Naturals. Et là, j'ai le Curl Hydrating Spray et le Curls Enhancing Custard. D'accord, donc c'est ces deux produits là que je vais tester sur mes cheveux. L'autre marque que je vais tester, c'est la marque Active Long. Et là, c'est le il me reste pas grand chose en été, je l'applique souvent sur mes cheveux. C'est le spray, le Curl Activator Spray, donc spray activateur de boucle. Et c'est la gamme Pitayas, Glycerine et Aloe Vera. Puis, j'ai l'autre produit. Donc, c'est un gel. Et là, c'est le gel activateur de boucle. D'accord? Je mettrai bien sûr une vidéo ici si, pour voir mieux en fait les produits dans tous les cas. Je vais appliquer ça de ce côté. La marque américaine de ce côté, sur ce côté de mes cheveux. Et ensuite, l'autre marque ici, donc la marque française là, d'accord? Donc j'ai déjà divisé mes cheveux en deux, ok? Et ce que je vais faire dans les, sur les deux parties, je vais en fait appliquer un leave-in. Effectivement, c'est une leave-in américaine parce que j'en ai pas, j'ai pas de leave-in français. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas amené en fait avec moi parce que je suis pas chez moi en ce moment. Donc, je vais appliquer le leave-in de la marque Miel Organics. Et ça, c'est le Pomegranate and Honey Leave-In Conditioner. Ne vous inquiétez pas, c'est le leave-in detangling for... Non, mais la fille qui lit leave-in, bon, bref. Je vais bien sûr filmer une vidéo sur cette gamme. Parce que j'ai déjà une vidéo de la marque Miel Organics, mais voilà. Donc, je vais juste appliquer un peu sur mes cheveux, donc sur chaque côté. Je vais commencer dans un premier temps sur ce côté avec le Curl Hydrating Spray sur tous mes cheveux, que de ce côté. De l'autre côté, je vais mettre le Curl Activator Spray, donc le spray activateur de boucle de la gamme Active Long. Et là, en fait, les ingrédients ne sont pas tout à fait pareils, mais c'est du même style, on va dire, mais avec malheureusement avec des ingrédients moins positifs. Pas mauvais, mais pas super non plus, pas excellent, pas comme l'autre. Donc pareil, c'est hyper liquide. Voilà, et là, pareil, je vais faire exactement la même chose. Et je vais l'appliquer comme l'autre sur les pointes. Donc là, en fait, l'odeur est beaucoup plus forte, je vais être honnête avec vous. C'est pas pareil, en fait, l'odeur. C'est vrai que... C'est pas du tout pareil au niveau de l'odeur. Ça fait plutôt un effet parfum. Tandis que l'autre, ça fait vraiment une odeur. C'est vraiment doux, quoi. C'est vraiment, ça a l'air vraiment doux. Voici les deux côtés. Donc, les leave-in, les sprays que j'utilise, que j'ai utilisé. Donc, je vous remontrerai après. Je vous montrerai plus en détail après sur ces deux produits-là. Donc maintenant, le deuxième produit que je vais appliquer sur mes cheveux, c'est le Curl Enhancing Custard, d'accord, de la gamme Obia Naturals. Et ensuite, je vais mettre le gel activateur de boucle. En effet, il ne me reste pas grand-chose. Je pense que c'est peut-être ici, d'accord. Mais là, il y en a, comme vous pouvez voir la différence, c'est vraiment un pot énorme. Donc, je vais commencer par, bien sûr, encore une fois, ce côté. Malheureusement pour moi, je n'ai pas d'élastique, je n'ai rien. Donc là, je vais faire genre, pas un wash and go, mais je vais faire un truc. Je devrais peut-être enlever mes boucles d'oreilles. Bon, c'est pas grave. Hein. On va laisser. Donc, comme vous pouvez voir, ça sent mais super bon ce truc. Ça sent délicieux. C'est hyper, hyper crémeux. J'essaierai de mettre une vidéo séparée parce que je pense que c'est plus simple comme ça. Cette texture est
et pas trop gel. Elle est, ça fait vraiment une espèce, c'est vraiment une texture de poudine. C'est pas vraiment gel. Donc moi, je vais juste le mettre comme ça dans mes cheveux. Comme vous pouvez voir, ça c'est assez con. En fait, quand vous regardez, c'est hyper blanc, mais quand vous l'appliquez sur vos cheveux, ça disparaît. C'est incroyable quoi. Et là, hop, je continue. C'est facile à séparer, comme vous pouvez voir aussi. Hop. Et sachez que j'ai même pas encore démêlé mes cheveux. Hein. J'ai pas encore, mais vraiment pas encore démêlé mes cheveux. Et voici déjà le résultat. J'espère que vous pouvez voir. Voilà. Donc pour l'instant, pour le moment, voici le résultat de ce côté. C'est le côté avec le côté avec le gel, le curly custard. Donc c'est pas vraiment gel, c'est plutôt un curly custard, ils disent. Et voici le résultat. Elle n'est pas encore sec, mais vous voyez la différence. Mais regardez ça. Regardez comment elle est hyper définie. Et vraiment, il faut peu. Il faut vous mettre vraiment peu, pas besoin de mettre beaucoup, honnêtement. Voilà. Et pour l'instant, c'est comme ça. Mais sachez que c'est pas la première fois que j'utilise ça. Hein. C'est juste, c'est franchement, c'est mon truc préféré. C'est vraiment pas la première fois que je l'utilise. C'est juste que je voulais vraiment le tester avec autre chose pour voir si vraiment l'avis que j'avais la première fois et la deuxième fois que j'ai utilisé, est-ce que c'est pareil. Ce produit-là. C'est hop, ce produit-là, je l'avais eu. Peut-être est-ce que je fais une autre. Ce produit-là, en fait, c'est hyper. C'est un gel. Vraiment, cela, c'est vraiment un gel, le truc le plus épais possible. J'adore ça. Franchement, elle est juste top. Regardez. C'est vraiment formidable. C'est super. Hop, j'ai salé mon pantalon. Par contre, c'est pas aussi crémeux que l'autre. C'est pas aussi crémeux du tout que l'autre. Voilà, j'aime beaucoup. J'utilise ça quand je fais mes. Quand je fais mes. Mes. Des bonnes. Des coiffures. Comme ça. Vous pouvez voir déjà. Not the same. C'est pas pareil. C'est vraiment, honnêtement les filles, c'est pas la même chose, c'est pas le même rendu. C'est joli quand même, mais c'est pas du tout pareil, ça se voit. Je vais pas faire tous mes cheveux comme ça, je veux juste déjà dans un premier temps vous montrer la différence entre les marques. À vous de voir qu'est-ce que vous choisissez. Par contre, très facile à démêler, hein. Pareil. Donc, j'ai fini d'appliquer en fait les deux produits sur mes cheveux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le même résultat. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup en fait ces deux produits. Bien sûr, il y en a un que je préfère plus que l'autre. Donc, comme j'ai pas du tout le même résultat, je vais appliquer ça derrière mes cheveux parce que j'ai pas trop envie que tous mes cheveux ressemblent à ça. Parce que je suis sûre et certaine que je vais pas aimer. De côté, elle est hyper définie et sachez que c'est pas sec du tout mais il y a beaucoup de tenue, beaucoup de définition et mes cheveux ont l'air mais hyper hydratés pardon, rétrécis bien sûr parce que voilà c'est jamais on n'a jamais tout quand on est naturel c'est juste mais formidable franchement c'est formidable et normalement je sais quand ça sèche en fait j'ai pas beaucoup de résidus j'en ai bien sûr un peu parce que c'est clairement hyper défini hyper tenu mais là on voit déjà que mes cheveux sont mais d'une définition extraordinaire et c'est pas sec du tout mais du tout du tout l'inconvénient et peut-être pas comme vraiment un inconvénient c'est juste un autre type de produit. Là, mes cheveux ont l'air beaucoup plus frisés. Pas beaucoup de tenue du tout. Des définitions, mais j'ai pas l'impression que ça va tenir longtemps. Mes cheveux ont l'air un peu frisés.
hydratée, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que j'ai dû mettre beaucoup de gel sur mes cheveux. Les deux leave-in qui sont ici, en fait, ça, n'oubliez pas que ce côté, c'est en fait ça, et ce côté, c'est la gamme Obia Naturals. Le leave-in de la gamme Obia Naturals, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, on va parler en termes de prix. Ça m'a coûté, normalement, le prix est à 17 euros, je crois, ou c'est entre 16 et 19 euros pour ça. Et ça coûte en gros 8 euros maximum, entre 5 et 8 euros, je crois. Déjà, en termes d'ingrédients, on voit très bien que la marque Obia Naturals, ils ont des ingrédients beaucoup plus corrects. Quand je dis corrects, je dis des ingrédients plus naturels, d'accord? Et malheureusement, pour la gamme Active Long, donc la gamme Active Curl, il y a des ingrédients pas mauvais, mais c'est pas les meilleurs. Mais franchement, ça va. J'ai deux gammes en fait de la marque Active Long, et c'est les meilleurs. Ça en dit que j'ai un autre produit de la marque Active Long, mais je l'ai acheté, mais c'est à du parabène quoi. Qu'est-ce que je fais? Les ingrédients qu'on regarde, c'est vraiment horrible. Ça, c'est les gammes pour les cheveux naturels et ça va. Je trouve que ça hydrate beaucoup plus mes cheveux que ça. C'est pas mauvais non plus. C'est juste que la sensation, je trouve que c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus fort en odeur. J'ai vraiment l'impression que j'ai mis un parfum sur mes cheveux. C'est pour ça qu'il y a un parfum, un fragrance dans ce produit-là. Tandis que là, il y a un Patalan Free Fragrance. Donc, c'est pas fort du tout. C'est vraiment tendre. C'est doux. C'est vraiment, franchement, je trouve que ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment simple, c'est doux. Après, vous avez l'impression que vous mettez de l'eau sur vos cheveux, mais ça hydrate quand même les cheveux. Ça vous dit en fait, en gros, que quand vous appliquez ça sur vos cheveux, vous n'avez pas de résidus. Vous avez ça rend votre racine, votre cuir chevelure bien tendre, normal. Ça, c'est vraiment pour volume, assouplir et définir les boucles. Donc, si je dis en termes de volume, vous pouvez voir en fin d'effet, ce côté est beaucoup plus volumineux que ce côté-là. Assoupli, c'est vrai que ça assouplit pas mal les cheveux, mais c'est pas extraordinaire. J'ai vraiment l'impression que ça fait plus d'effet que ça en termes de démêlage. Mais dans les deux cas, c'est un spray. Et les sprays d'habitude, ça fait pas vraiment un effet wow. C'est plutôt les leave-in qui font vraiment un effet wow sur mes cheveux. Le gel activateur de boucles, franchement, c'est vrai que j'ai des boucles, d'accord? Vous pouvez voir là, mais malheureusement, j'ai dû mettre énormément de produits sur mes cheveux pour avoir ce résultat-là. Et même là, je suis sûre et certaine que mes cheveux vont sécher, ça va être flaky. Il y aura des résidus blancs. Par contre, j'ai déjà utilisé ce produit quand je faisais des bonnes, des chignons et tout ça. Et le truc est indispensable dans ma vie, d'accord? Par contre, ça m'a coûté 6 euros, non 7 euros je crois, à Auchan. Le prix normalement c'est dans les 7 euros, donc toute la gamme en fait Active Long, tous les gammes Active Long, pardon, les prix ne dépassent pas 10 euros à l'exception d'un produit que j'ai vu depuis, mais tous les autres produits c'est en dessous de 10 euros. Donc là ça maintient, ils disent que ça maintient les boucles, ça contrôle les frisottis, ça définit les boucles. Alors, par rapport aux trois choses qu'ils disent, donc déjà au niveau des ingrédients, là vous avez du pitaya, glycérine. Au niveau du maintien des boucles, moi je dirais non. Ça pour moi, ça c'est juste mon avis, ça ne maintient pas mes boucles. C'est pas la première fois que j'utilise, donc je sais ce que je dis, je sais ce que je raconte. Sur mes cheveux, 4A, 4B, 4C, je ne sais pas comment vous les définir. Donc sur mes cheveux, malheureusement, ça ne maintient pas mes boucles. Parce que là, effectivement, je sais que j'avais déjà appliqué sur mes cheveux étaient frisés, mes deux c'est frisé. Ça ne tenait, ça n'a pas tenu. Par contre, si je fais un chignon, des bonnes et de tout ça, ça tient. Là, ça tient, mais super, et c'est excellent. Vous avez du grape seed, de l'huile d'argan ou de l'algan, de hydrolyte with protein, donc il y a un peu de protéines. Si vous êtes sensible à ça, c'est pas pour vous. Vous avez donc c'est no sulfate, no mineral, comme tout à l'heure, tous les autres trucs. Donc il y a pas mal d'ingrédients. J'essaierai de mettre une vidéo bien sûr ici avec les ingrédients, d'accord, pour être plus simple. Donc ce produit là, il dit c'est pour coiffer, d'accord, sans alcool, light custard. Donc ils disent light, pour moi ça c'est pas du tout light, hein. Ça c'est vraiment le truc qui définit, mais excellent, mais bon. Et là vous pouvez voir, franchement top. Perfect for wash and go, up those finger coils and smoothing edges. Donc ils disent c'est parfait pour les wash and go, pour faire des coiffures où il faut vous mettez vos cheveux en pour bien snatch your baby hairs, comme on dit. Le custard en fait ça sent mais super bon. Ça tombe pas. Vous voyez, c'est vraiment incroyable quoi. C'est pas liquide.
c'est pas liquide, c'est pas crémeux, c'est vraiment un custard, quoi. Franchement, c'est le meilleur custard que j'ai vu dans toute ma vie. Mais franchement, ça, c'est le meilleur. C'est vegan, c'est juste que le seul truc que j'aime pas, c'est le prix. Je trouve que c'est cher et malheureusement, je dois commander sur le site à chaque fois. C'est ma seule bouteille que j'ai. Ben, je vais acheter une autre parce que tellement c'est bien, je trouve que c'est super. Moi, franchement, le truc que j'ai vraiment aimé avec ce produit, c'est sa rapidité. Elle définit les boucles, mais tout de suite. D'accord? Tout de suite, elle définit tes boucles. Même après que c'est sec, que ces trucs, ça définit. Vous avez de la brillance. C'est incroyable. Quand même. Le résultat, elle est là. Franchement, elle est là au niveau du prix. Elle est là. Ça, c'est vrai que c'est super, mais ça, c'est plutôt je dirais, c'est le plutôt low cost. De ça, c'est juste mon avis. J'ai rien contre les deux marques. J'ai un compte ActiveLong. J'adore ActiveLong. Crois-moi, j'adore parce que ça fait des années que je l'utilise. Mais franchement, je comprends pourquoi il y a eu cette gros hype derrière la marque au bien naturel en fait. Parce que c'est magnifique. C'est super. Donc, dans tous les cas, je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, les filles ou les garçons. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bye, guys.